Spécialiste du chat, ici. Est-ce qu'il y a des spécialistes du chat? Toi, t'es un spécialiste. Grand comme t'es là-bas. Toi, t'es un spécialiste. Rapproche-toi, c'est toi qui va nous. C'est toi qui va faire le son. Viens, viens, viens. Rapproche-toi. Viens. J'espère que t'es un vrai spécialiste. Là. On fait tout comme tu dis. Vas-y, viens. C'est le vrai ou tu fais semblant? Oui, en vrai, j'ai une chaîne YouTube. Viens. Si tu sais pas, tu te descends tout de suite. Il est super grand, frérot. Non, il est pas si grand. Allez, vas-y. Let's go. Viens. Vas-y. Non, il est grand. C'est bon. Viens. Voilà, allez. T'es un KX, enseigne-toi. Hein. Donc là, j'ai retrouvé mon état d'esprit normal, si je peux me permettre un petit peu normal, voilà. Alors, les best-of de Superstar, donc au concert d'adieu. Je suis désolé, je n'ai pas d'autre choix que de vous lire ce qui est manqué. Hein. Alors, donc les fans, vous avez compris, n'arrêtez pas de m'en demander qu'est-ce qui m'est arrivé pour ce qui est du concert de d'adieu. J'ai même des collègues de travail qui n'ont pas compris pourquoi j'ai pas chanté quand je suis monté sur la scène. Donc, je vais vous expliquer, et voilà, les explications. L'explication à mes yeux est simple et évidente, à mes yeux, mais je peux comprendre qu'à vos yeux, que l'explication n'est pas évidente. Donc alors, Best of Superstar, concert d'adieu. Alors, donc je vous explique, je ne pensais pas que j'aurais été choisi par la Superstar pour monter sur scène. Donc mon objectif, quand je suis arrivé là, du concert, était simplement une rencontre filmée et photographique. C'est pour ça que j'avais mon appareil, c'est pour ça que j'avais mes deux portables. Vous avez vu, j'ai pris mon installation, celle-ci. On a même vu Dadju qui a félicité. Je vais faire un montage qu'on puisse y voir. On a même vu Dadju qui m'a félicité pendant que je montais concernant cette installation là. Donc je vous laisse voir. Ah oui, c'est pas cool. Ah ouais, j'avais dit bon et tout. Comment ça s'appelle? Pacific Sound, Pacific Sound 3003. Ok, c'est bon. Ça, c'est un blast de spécialiste. Ok. Voilà. Alors, je n'avais pas prévu un show au public car l'ambiance très mouvementée m'a fait perdre au moins 77% de mon sérieux. Donc, en fait, comme moi, j'étais venu pour... prendre des photos avec la Superstar et prouver que j'étais venu pour ça. Donc, je ne m'étais pas mentalement préparé à un show musical pour faire mes preuves devant d'adieu. En fait, là, quand je venais prendre des preuves pour Gims. Parce qu'en fait, donc, je lis. Alors, je voulais simplement prouver à son frère Gims que j'étais motivé à 100%. Pour cela, j'avais besoin de rencontrer d'adieu. Durant son concert à La Palooza, j'étais venu avec du matériel de journaliste pour vous dire mon hélicoptère, mon drone, voilà. Le drone, là. Vous connaissez, regardez, Jai, c'est manqué, voilà, Jai. Le drone, je ne l'ai pas pris parce qu'en fait, ça m'a fait trop de choses. Alors, Maître Gims a demandé à ses élèves de prouver ses motivations en lui publiant toutes nos motivations sur sa page de communication.
Donc, du coup, la seule preuve que j'avais de lui prouver ma motivation puissante était de filmer une rencontre avec son frère, Dadieu. Donc, en fait, quand Dadieu est venu en Martinique à La Palouse, pour moi, c'était une occasion de prouver à Maître Gims que j'étais motivé. Voilà. Il y avait tellement de monde que c'était très compliqué pour moi de me concentrer sur mes mélodies postées sur YouTube. Donc, j'ai fait un show improvisé dans l'incertitude de plaire à Dadieu, tout en sachant que j'avais réussi à prouver à Maître Gims subliminal ma plus haute motivation artistique aux côtés de son frère Dadieu. Voilà, donc je pense que vous avez compris. Et c'est pour ça que j'ai présenté mes astuces, parce que j'ai bien vu que Dadju est un petit peu déçu. Lui, il recherchait quelqu'un qui allait animer la scène de concert. Moi, j'avais trouvé une occasion de prouver à Maître Gims que j'étais motivé. Donc en clair, on ne s'est pas bien rejoint. Donc c'est pour ça que vous avez dû voir, je vous montre. C'est pour ça que vous avez vu qu'à un moment, j'ai fait un petit show rapide. Et puis m'arrêter. Donc le show rapide que j'ai fait, c'est pas vraiment ce que j'aurais dû faire. J'aurais tout simplement dû chanter Paradis Dormi, le meilleur morceau que j'ai sur YouTube. Mais dans le flow, dans l'imprévu, dans l'incertitude, je ne savais pas si elle allait me prendre. J'ai vu d'autres personnes monter ou redescendre. Il y a beaucoup de choses qui font que le chant n'est pas sorti. Donc comme le chant n'est pas sorti, avec un feedback maintenant, là je me dis, j'aurais dû chanter Paradis Dormi. Mais bon. Alors là, l'avenir, la suite, c'est quoi? La suite, je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas vraiment. Ce qui s'est passé, je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. Donc, qu'est-ce qui va passer ensuite? De la même manière que pour le concert de Dadju, je ne savais pas qu'il allait me demander de faire un show pour son public, que je ne savais pas il y a 2-3 mois, de la même manière, en 2024, je ne sais pas non plus ce qui va se passer. Donc, je suis content aussi, donc je profite de cette vidéo-là pour tout vous dire. Je suis un petit peu content de constater que j'ai réussi à entrer dans le concert. Parce qu'en fait, vous avez vu Pacific 163 arriver sur la scène de Dadju, sans savoir ce qui s'est passé avant. Et vous vous permettez de juger Pacific 163 comme quoi Pacific 163 n'a pas chanté sur la scène. Donc en fait, je reçois des messages de beaucoup de personnes qui me laissent entendre que j'ai pas chanté sur scène. Mais le souci, c'est que, comment vous dire, je vais prendre un exemple simple que vous puissiez comprendre. Une personne qui est devant son canapé avec de la climatisation à 17 degrés ou 19, avec un linge propre, et puis qui vient de prendre sa douche, qui est frais et qui regarde la télé, n'a pas le même mental qu'une personne qui arrive dans un endroit où il y a des odeurs particulières, on entend des choses qui ne vont pas. Je vous explique. Alors, c'est pas vraiment que je dis que le concert... Bon. Il faut que je trouve une autre situation pour me faire comprendre. C'est que j'étais pas à l'aise. Et comme j'étais pas à l'aise, dû au changement radical de situation, parce que là, vous voyez, là, je suis seul devant mon PC, j'ai une caméra, je sens de parler, voilà. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu 5 000 personnes, Dadju, des gens qui étaient devant moi. J'avais 300 personnes autour de moi, j'ai vu 5 000 personnes. Il y a beaucoup de choses. J'ai l'impression que je n'arrive pas à tout vous dire parce que, comme il y a beaucoup de choses à dire, je n'arrive pas à tout dire. Mais bon, je vais m'arrêter là, sinon la vidéo risque d'être trop longue. Je vous dis ça demain très bientôt pour de nouveaux épisodes de concert Superstar. Et puis à très bientôt pour la suite. Bye, Pacifique, c'est en ce moment. Clique.